Bienvenue ici au Parlement européen, dans une place spéciale qui est géographiquement le centre du Parlement européen. Derrière nous, la chambre plénière. À gauche et à droite, en haut et en bas, les réunions, les salles de réunion pour les commissions. 5000 personnes qui travaillent ici et des centaines et des milliers de visiteurs qui viennent ici aujourd'hui pour assister aux réunions. On est ici assis autour d'une table, moi, Frank Schwalberhout, un Allemand, qui est un des fondateurs des Verts, des écolos allemands et des premiers députés au Parlement européen, anciens députés maintenant. On est trois femmes ici, madame la députée, Maxette Pirbakers, qui vient de Guadeloupe. Et là, elle a une célébrité, car elle s'est impliquée dans les syndicats des travailleurs agricoles. On a ici de Uruguay et Italie, madame Arizzi Bonaldi, qui est journaliste, mais elle a travaillé aussi comme interprète et traducteur. Et Tatiana Völlert, elle est ukrainienne, formation pianiste, mais elle est ici et elle regarde qu'est-ce qui se passe dans son pays en attendant ses commentaires. La personne qui a organisé tout cet événement, Daniel Santubico, le directeur général du Conseil universel pour la paix des nations et continents, Kulpak. Et notre invité d'honneur aujourd'hui, et moi j'ai été demandé d'utiliser son nom, sa grandeur, Dominique Condempolo, ministre universel pour la paix. On est entouré des deux techniciens qui sont responsables, Gaëtan et Chris, et deux journalistes, Hatem Sakli de Tunisie, d'origine tunisienne, et Kenan Erer, d'origine turque. Et c'est quelque chose de totalement normal ici au Parlement européen que tu as tellement des nationalités et même qu'on n'a pas toujours la même opinion sur les questions, on s'est réunis autour du table pour mettre en avant aujourd'hui surtout les droits de l'homme. Et pour ça, je donne la parole maintenant à Daniel Santubico. Citoyen du monde, l'an 2023, le 9e jour du mois d'octobre, nous, membres de la Direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continents, Kulpak en abrégé, sommes réjouissants de nous trouver une fois de plus dans ce cadre de la Vox Box du Parlement européen de Bruxelles, sur invitation de Madame Maxette Pirbakers, députés au Parlement européen, que nous remercions et qui rend hommage ce jour avec tempérance à sa grandeur Dominique Condempolo, ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité à l'occasion de ce moment d'espoir sur la paix et les droits humains. C'est une journée mémorable, joyeuse et d'encouragement à l'égard de cette brillante personnalité que nous venons de préciser, qui a été élevée à cette dignité honorifique par le Kulpak suite à son intervention remarquable à notre campagne de la vulgarisation des droits des humains par l'impression des livrets des droits de l'homme édictés par les Nations Unies que nous distribuons gracieusement dans les écoles, universités, la société en général, ainsi que sa contribution personnelle pour l'installation de la Cité de la paix dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, cadre par excellence, réunissant des personnes de toutes catégories et sans aucune distinction pour pérenniser la paix. Ces moments d'espoir sur la paix et les droits humains qui se réalisent présentement et initiés par le Kulpak, conformément aux résolutions de la Conférence universelle sur la paix tenue du 5 au 6 septembre 2018 au Parlement européen de Bruxelles. Dans ces assises, les députés européens provenant de toutes les tendances politiques nous ont appuyés en disant et reconnaissant. Nous citons, si la politique mettait un peu d'amour entre eux et dans leur mission, beaucoup de choses iraient mieux.
Fin de citation. Il serait judicieux que toute personne puisse méditer sur la paix intérieure et mentale pour faire asseoir la paix universelle, afin de renforcer sa paix avec les autres, partant d'une famille à une nation, en tout lieu et toutes circonstances, avec amour. Au moment où nous parlons de la paix dans cet hémicycle, nous le savons tous que la paix ainsi que les droits humains vacillent et dangereusement menacés dans le monde entier par la volonté humaine suite à son orgueil, égoïsme, méchanceté ou cruauté par manque d'amour, mettant ainsi en péril la vie de ses semblables comme nous l'avons prédit. C'est pourquoi la Direction générale du Conseil universel pour la paix des nations et continent Kilpak en abrégé lance encore une fois de plus son appel à toute personne, sans aucune discrimination, d'avoir l'amour et vivre en harmonie avec les autres afin de favoriser, promouvoir, renforcer, consolider et rétablir la paix en vue de la stabilité sur les plans national et international, respectant aussi les droits des autres. Car il est indéniable, sans la paix, rien de bon ni de durable sur tous les plans et dans n'importe quel domaine ne pourrait se faire dans nos nations et continents. Que vive la paix et le respect des droits humains. Je vous remercie. Merci, merci. Et maintenant, l'invité spécial d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. D'abord, mes salutations à tout le monde. Peuple du monde entier sans aucune distinction. En ma qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité, je tiens avant tout à remercier très sincèrement du fond de mon cœur Madame Maxette Pirkabas, députée Parlement européenne, et en exprimant ma gratitude et ma reconnaissance pour son invitation et de l'accueil réservé avec ma chère épouse au Parlement européen de Bruxelles, sans oublier des lobbyistes européens et la direction générale du CULPAC qui ont soutenu ce programme en faveur de la paix et les droits humains. Mon émotion positive est grande pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui dans ce cadre européen de Voxbox pour donner ma modeste réflexion sur l'espérance de la paix et les droits humains en ce moment très compliqué et difficile que traverse notre planète où des conflits armés, de cœur, la famine, la pauvreté et la misère, l'exode de guerre, sans oublier les réchauffements climatiques avec tout ce dégât tragique et incalculable qui assombrisse la paix et la vie humaine dans tous nos continents. Mais gardons l'espoir, car la paix est très précieuse et une nécessité pour la vie de l'humanité. Sans la paix, il n'y a pas de vie ici, je vous en prie. Et nous devons aussi prendre conscience pour nous engager tous, partout où nous sommes dans ce monde, de traiter avec un grand respect tous nos planètes, notre planète où nous menons notre existence afin d'éviter de désastres que je venais de citer. Dans ma mission du ministre universel pour la paix, je me donne comme priorité de chaque jour la promotion et le renforcement de la paix, le respect des droits et de toutes les personnes, spécialement le droit de la femme et la minorité pour un monde équitable, la protection des animaux et de l'environnement. Ma mission n'est pas politique, mais elle est humanitaire.
Surtout que je suis un rassembleur, un encadreur et de la population dans différents pays. Je viens de la République démocratique du Congo. Ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Pour terminer, j'exhorte chacun de nous partout dans le monde d'aimer et d'avoir la considération pour son prochain et de notre belle planète, la Terre. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup pour cette intervention, Madame Maxette Purgabas, députée ici de Guadeloupe, mais pour toute l'Europe, s'il vous plaît. Déjà, je remercie que monsieur sa grandeur soit venu au Parlement européen, aussi le directeur du CULPAC, et aussi vous, mon cher très ami, qu'on se connaît depuis longue date. À part d'être députée européenne aussi, je suis présidente nationale du Rassemblement des Français d'Outre-mer et de l'étranger. Ça veut dire de pouvoir rassembler. C'est d'où mon intérêt, mon engagement dans tous les pays d'État d'Afrique ou dans d'autres pays, de pouvoir faire le vivre ensemble. Alors déjà, je suis heureuse, bien sûr, de cette rencontre aujourd'hui qui fait suite à ma visite, bien sûr, vous le savez, sa grandeur au Kinshasa début juillet, par l'invitation, bien sûr, de sa grandeur, que je remercie, Dominique Kombekolo. Je m'étais exprimée devant l'immense foule, comme vous vous rappelez, sa grandeur, pour exprimer un message, bien sûr, de paix et de respect des droits humains. Ce sont des moments qui sont gravés, bien sûr, dans mon cœur, que je n'oublierai pas, et j'espère que nos efforts conjugués à tous, avec eux du CULPAC et de sa grandeur, bien sûr, éloignons quelques nuages noirs. Hélas, depuis juillet, la situation, comme vous le savez, mes chers amis qui sont autour de la table, internationale ne s'est pas améliorée. La guerre d'agression continue en Ukraine, comme en République démocratique du Congo, et on ne voit pas comment les hostilités pourraient s'arrêter prochainement. Au Haut-Karabakh, il y a 15 jours, ou ce week-end, en Israël, des conflits jamais éteints se sont rallumés, vous vous rendez compte, causant la sidération de la communauté internationale et de milliers de victimes. L'Organisation des Nations Unies vient d'annoncer la mise en place d'une force d'appoint en Haïti. Mais 2000 hommes supplémentaires, bien sûr, comme on le sait, seront bien peu pour mettre au pas les bandes qui terrorisent l'île. Une catastrophe humanitaire est en cours au Sud-Soudan, tandis que les violations des droits de l'homme au Myanmar ont atteint les sommets, des sommets, comme je dis, sans précédent. Et je ne parle même pas de la reprise de l'activité djihadiste au Sahel, maintenant que l'armée française n'est plus là pour épauler les armées locales. Aujourd'hui, le panorama est sombre. Pourtant, je veux faire un rappel historique, comme je le dis. Regardez la situation du monde. Il y a tout juste 100 ans, 100 ans, nous sortons de la Première Guerre mondiale. Et nous préparions la seconde, des génocides d'une ampleur inconnue. Aujourd'hui, avaient lieu en Turquie ou en Ukraine des fléaux, comme les conflits frontaliers ou le colonialisme déstabilisant de larges régions du monde. Et comparons avec aujourd'hui aussi, certes nous continuons de vivre des conflits abjects, scandaleux pour l'esprit humain, mais la situation bien sûr aujourd'hui, comme je le dis, du monde s'améliore globalement bien sûr. Mais ces dernières décennies, de nombreux peuples ont réussi à faire la paix avec leurs voisins et nous avec leurs frères.
Nous ne vivons plus dans l'angoisse d'une guerre nucléaire comme il y a 50 ans. Les grandes famines ont presque disparu. Le nombre d'humains en situation de grande pauvreté a diminué de manière spectaculaire et les indices de développement humain sont en progrès, bien sûr, constants à défaut d'être linéaires. Les politiques de développement portent leurs fruits. Il ne faut jamais l'oublier globalement. Les humains vivent mieux en 2023 qu'ils n'ont jamais vécu. Cela veut dire, comme je le dis, rien n'est perdu. Nous devons avoir cet espoir. Cette situation ne doit pas autant nous détourner de la recherche des solutions pour les hommes nombreux qui restent en guerre ou opprimés. La femme afghane ou iranienne ravalée au rang d'objet par des barbares obscurantistes, l'Ukrainien dont le voisin russe nie le simple droit d'exister en tant que peuple, le Rohingya que le pouvoir voudrait voir disparaître, l'Arménien du Haut-Karabakh poussé bien sûr à l'exil, ce sont autant de situations que nous ne pouvons pas ignorer aujourd'hui dans ce monde. Ensemble, je crois que nous pourrons améliorer le monde et soulager ses habitants. Je vous remercie, Sa Grandeur. Je vous remercie, tous les gens qui sont autour de cette table. Et comme je dis, nous devons trouver une solution pour se vivre ensemble, tous en paix, tout simplement. Ce n'est pas facile. Merci, merci, Madame la députée. Et maintenant, à Tatiana Velot, invitée par cette ONG Kulpak, pour donner un peu des éléments ukrainiens. Oui, je suis d'accord avec Madame Pierbakas. C'est déjà 600 jours aujourd'hui, presque 600 jours, que mon pays était envahi par le pays voisin. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, on se pose des questions. Qui est coupable? Et bien sûr, la réponse, c'est le régime russe. Mais pas seulement, peut-être aussi des citoyens russes, mais ce qui s'est passé maintenant, c'est juste la guerre de grande échelle qui a commencé il y a quelque temps. Mais la Crimée était annexée déjà depuis 2014 et la guerre en Donbass était déjà aussi, donc durait déjà depuis longtemps. Je me demande, qu'est-ce que moi, personnellement, qu'est-ce que je fais pour ralentir ce conflit qui était en train de mourir, qui était en train de grandir. Moi, j'organisais des événements culturels. J'organisais des concerts avec la musique classique, musique populaire, musique du folklore. J'ai invité aussi l'ambassadeur ukrainien ensemble avec le directeur du centre culturel russe. Ils étaient ensemble dans le même espace et peut-être ils ont fait des échanges, ils ont échangé les cartes de visite et j'espère beaucoup qu'ils sont restés en contact toujours. Et si ces échanges peuvent contribuer pour freiner peut-être quelques actions militaires pendant la guerre, moi je serais très fière. Merci, merci Tatiana Velot. Et moi j'ai juste reçu une invitation de vous pour un concert cette semaine où il y a des musiciens kurdes, turcs et des musiciens de Caucase. Félicitations. Mais maintenant, à la dernière intervention, Anna Inès Arizzi-Bonaldi. Elle a été invitée par Kulpak car elle est ici depuis des années et des décennies comme journaliste d'origine uruguayenne et italienne pour commenter qu'est-ce qu'elle a écouté ici des bouches et des cœurs et personnes autour de cette table. Merci, M. Schwalbaroth. Merci à tous d'être ici et de m'avoir invité. De m'avoir invité à vous écouter et à essayer de voir s'il y a non seulement quelques fenêtres, mais aussi quelques grandes portes ouvertes, non seulement à l'espoir, mais aux actions qui pourraient, qui devraient mener à l'accomplissement de nos souhaits. Il ne suffit pas d'espérer, il faut agir. Ces actions ne sont pas toujours visibles, mais elles existent.
de la part de l'Europe, elles existent, de la part du monde entier. Il y a des tendances sous-jacentes qui ne sont pas toujours par des résolutions, législations nouvelles, par des rébellions. Il y a quelque chose qui est très important, qui est l'attitude. L'attitude des humains vis-à-vis des autres humains. La bienveillance. La bienveillance existe. Elle est indispensable à l'accomplissement de quelques projets, programmes, plans, on peut l'appeler comme on voudra, quelques actions qui nécessitent l'harmonie. Parce que les enfants sont notre présent et notre avenir immédiat. Et ça passe vite, l'enfance. On ne peut pas détruire cette période, on ne peut pas lui faire subir les conflits de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir dans la famille ou ailleurs, car ça laisse des séquelles et c'est épouvantable. Ils vivent constamment avec les traumatismes du passé, de la même façon que les adultes vivent avec les traumatismes, ou supportent, vivent mal, les traumatismes des guerres passées. Finir avec les guerres, mais avec une paix équilibrée, harmonieuse, juste. Et surtout, ne pas déclencher par des agressions qui peuvent sembler couvrir certains intérêts, mais qui, au fond, sont contraires à ces intérêts même. Vous venez de le dire, Tatiana. Merci, voilà. Merci beaucoup. Mon message est important. Oui. Cohésion et cohérence, harmonie. Merci, merci pour cette conclusion. Merci à tous les intervenants. J'espère que tout le monde est content. D'où mon intérêt aussi, oui. Je l'explique aujourd'hui, hein, dans cette table ronde, d'aider, et mon engagement a toujours été mon investissement dans cette cohésion sociale, dans tous les pays, comme les pays tiers-monde, comme l'Afrique. Vous savez qu'on a voté plus d'un milliard pour l'Ukraine, pour les soutenir. Comme je dis, nous n'avons pas le choix de se vivre ensemble. C'est ce message que je voulais apporter, qui va faire ce vivre ensemble pour mettre cette paix. Ça ne va pas être facile, mais tout le monde autour de cette table sont de plusieurs nationalités et c'est ce qui est important aujourd'hui. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup, Madame la députée. J'espère que tout le monde est content autour du table et j'espère que les gens qui vont voir cette demi-heure vont être contents aussi. Et merci à Gaëtan et Chris qui ont fait tous les travaux techniques pour qu'on puisse travailler ici. Ce sont des Belges. Au contraire de nous qui viennent des pays du monde. Merci, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bye bye.